louer tu es ma lumière. J'ai au moins deux trois témoignages. Ce qu'on nous dit, c'est la vérité. Mais les cœurs sont comme les couleurs de nos habits que nous portons. Nous avons différents cœurs. Il faut nous excuser. Bon, le premier témoignage, ça date au moins un mois et quelques. J'ai dit la maison de ses parents le matin. Au côté, quand j'arrive, je vois les deux enfants le matin. Quand je passe, je regarde. Et puis, un dit qui vient devant moi, je demande c'est quoi. Maintenant, il avance, moi aussi j'avance. Quand je le fais avancer comme ça, moi je recule. Quand je recule comme ça, je dis oh. Et puis, il me dit tu lui quoi. Et il me dit que voilà, tu as la chance, on devait même te tuer. J'ai dit que là où ce s'est passé à côté, je suis retourné. Quand je trouve, quand je rencontre un enfant là, un petit, sur le vélo, et lui dit mon petit ne descend pas, il y a les braqueurs qui sont devant là-bas. Là, je suis retourné. Ça n'a même pas fait un mois. Quand je reviens, quand je pars toujours au travail, cocoté toujours, c'est là où ils m'ont réussi, parce que l'enfant avait la bouteille cassée en main et les autres s'étaient à côté. Quand je veux me rencontrer avec eux, l'autre sort une de la bouteille à qui était cassée. Et quand il a sorti sa carte, il soulève la main pour me. Je ne sais pas là où il voulait piquer ça. Dieu me donne la force de l'attraper sur ma main. Quand j'ai attrapé, les autres m'arrêtent sur les pieds. Ils m'ont fait tomber. Ils m'ont fouillé. Ils ont pris mon téléphone que j'avais. Ils sont partis avec. J'ai dit, Dieu merci parce qu'ils ne m'ont pas blessé. Et je suis venu. Après ça, l'autre témoignage, c'est pour le juge. Parce que ici, la quand je travaille ici, là, les gens me voient travailler, mais sans savoir que je suis sérieusement malade depuis. Et quand je suis malade comme ça, il y a les nerfs, les dents, tout le corps est malade. Mais quand j'ai fait ça, je me demandais, je me posais la question, mais aussi là, je voulais s'avancer. Mais comme Dieu est grand, Dieu seul sait ce qu'il fait, Dieu aussi m'a donné ce jus. Ça fait au moins deux semaines. Le dimanche, c'est passé, le printemps, j'étais à genoux pendant la prière du peuple de Dieu. Comme je me suis courbé sur la chaise, le protocole est venu, il m'a touché ici. Il m'a dit non, regarde devant, je suis regardé. Mais les reins, ça n'allait pas. Et après ça, quand nous sommes restés ici, j'ai commencé à sentir mal dans le ventre. Donc c'est la diarrhée là qui a senti l'odeur. Et ça a commencé à venir. Après ça, c'est le dimanche que je me suis procuré du jus. Quand j'arrive à la maison, comme on m'a indiqué, j'ai pris deux bouchons. Le matin, la façon que ça a commencé à bouger dans le ventre, comme s'il y avait des cochons là-bas qui font oh, oh, oh. Non, j'ai vu. Et puis, ça m'a fait comme ça, au moins trois jours. Je ne pas moi, non, je ne peux plus continuer. Mais là, actuellement, là où je vous parle, là, au moins, ça a plus de 78 ans, là, je me sens déjà quand même un peu bien. Ce n'est plus comme avant. Il faut toujours que je vois le jus. Amen. Amen. Amen.